Salut les amis et bienvenue. Friends, we all come from somewhere. We all come from somewhere. I am anglophone. I am Guy, as born in Ekona Benguer, and proudly so. When I say so, I want to emphasize emphatically that I have friends all over the country. I have friends from the Bamileke region, Bamoun friends, Bassav friends, Anglophone region. Yeah, you understand, that's my place now. In the central region, in the east region, in the north region, I have friends everywhere. And there's no discrimination. If they are in difficulties, I pronounce myself. I come to aid them if it's possible, to the best of my possibilities. Les amis, j'ai vu une vidéo, je ne vais pas vous proposer cette vidéo. D'un argument qui parle de la disparition, l'assassinat de Martinez Ogo et qui confond tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de laver la boue qui est dans son cerveau avant de pondre toutes ses déclarations là sur les réseaux sociaux. On voit un tribalisme, c'est-à-dire qui n'a pas de sens. C'est un tribaliste qui est dans le tribalisme sauvage. Il sait que le tribalisme est condamné, mais c'est la sauvagerie avec laquelle on peut être tribaliste. On a tué un journaliste. On a décidé d'ôter la vie de la façon la plus barbare à un homme des médias, connu. Même pas connu, c'est pas ça le problème. Et quelqu'un qui est journaliste, à qui on a interdit de pratiquer le journalisme dans son pays, à tort, parce que là, on peut sanctionner quelqu'un, mais l'interdit de pratiquer une profession pour des raisons qu'il a évoquées, franchement, il y a un problème. Un jour, certainement, ça va changer. Et un jour, il fera jour. Je parle de Chantal Roger Tchule. Chantal Roger Tchule sonne comme un Bamileke, n'est-ce pas? Mais ça sonne comme un nom Bamileke. Mais les gens qui n'ont pas fait leur cours, qui étaient plutôt dans la cour, au lieu de faire les cours, et qui ont un esprit court, ne comprennent pas que nous sommes les Bantous. Et qu'on peut trouver Mba dans le centre et Mba dans le nord-ouest. Le Mba dans le centre n'est pas forcément le Mba dans le nord-ouest. Le Mba dans le nord-ouest, c'est avec H à la fin. Dans le centre, il n'y a pas H à la fin, c'est M-B-A. Mais comme ces gens-là sont guidés par le tribalisme, par le non-sens, et c'est une politique que certaines personnes sont en train d'utiliser pour mieux diviser, parce qu'ils ont lu Machiavel, diviser pour mieux régner. Cet énergumène vient sur les réseaux sociaux. Je dis encore, je ne vais pas vous proposer la vidéo, parce que généralement, dans mes podcasts, je mets certains extraits. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas le faire. Dit que les Bamileke veulent récupérer cette affaire, l'affaire du meurtre de Martinez Ogo, juste parce que celui qui a appelé à la marche dans les enceintes de l'Amplitude FM ou dans les meubles qui abritent Amplitude FM s'appelle Chantal Roger Tchule. Chantal Roger Tchule, c'est un gars de l'Est. 1 000 000 % quelqu'un de l'Est. Et comme il a entendu ce nom, il dit les Bamileke qui veulent déstabiliser, et c'est notre mort, et notre frère, vraiment, laissez-nous gérer cette affaire. Depuis quand Martinez Ogo pratiquait le journalisme du tribal, il n'était pas un animateur d'un clan, il était l'animateur du Cameroun tout court. Il avait une émission qui avait pignon sur eux, à Yaoundé, sur l'Amplitude FM. Il ne s'adressait pas que à son peuple. Il s'adresse à tout le monde. Et Martinez Ogo n'était pas tribaliste. Donc, il y a quelque chose qui arrive à Martinez Ogo. Si un journaliste bamiléquin, comme vous dites, parce que je ne connais pas de journaliste bamiléquin, je connais des journalistes, je connais des hommes des médias, il peut sortir d'une tribu, mais ça ne fait pas de lui journaliste de cette tribu-là. Prends les choses en main, dirige la contestation, demande la justice. À quoi est-ce que tout le peuple bamiléké lui a mandaté de l'aller faire? Est-ce qu'il y a eu une réunion du peuple bamiléké pour dire « Ok, voilà ce que la conduite a tenu sur cette histoire. » Les chefs de la Léké qui ont dit « Retour
à la personne qui a assassiné Martinez Zogo et les commanditaires, sont-ils les Bamiléké? Ils parlent de la justice. Mais vous ne pouvez pas être si légère, des personnes légères dans la façon de faire dans votre réflexion, de tribaliser le débat tout le temps. On parle de quelque chose de grave, où le monde entier parle. Mais quelqu'un trouve les pirouettes, les pichenettes, pour nous parler du tribalisme, pour nous dire c'est un truc qui concerne Yaoundé, il faut laisser. Donc, quand un gars va tomber, un autre journaliste tombe, s'il est il faut laisser le peuple Bassa aider à régler le problème. Si un gars de l'Est tombe, il faut laisser le peuple de l'Est. C'est quelle formation comme ça qu'on a donnée à certaines personnes, où l'argent est en train de rendre les gens malades. Et je vois souvent certaines personnes sur les réseaux sociaux qui ont dit, eh non, moi aujourd'hui je vais soutenir Kamto, vraiment, moi c'est fini pour moi, qui faisaient la paix des balles, certainement on les a donné l'argent aujourd'hui, virement, revirement à 360 degrés, ils commencent à parler de cette histoire, à invectiver tout le monde dans les pays sérieux. Quand il y a des dénonciations, la justice s'intéresse. La justice s'intéresse. C'est pour cette raison que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut une commission indépendante pour cette enquête-là. Et comme beaucoup d'autres personnes, je pense que Monseigneur Cléda peut jouer un rôle. Je pense que Akere Mouna, le bâtonnier Akere Mouna peut jouer un rôle. Je pense que Nietzsche peut jouer un rôle. Je pense que le député Oyono peut jouer un rôle. Je pense qu'il y a certainement d'autres noms, des personnes qui peuvent jouer un rôle pour trouver des coupables, pour faire des enquêtes vraiment poussées. Parce qu'apparemment, on a des vidéos, il y a une petite vidéo qu'on a fait circuler sur TikTok qui montre la voiture de Martinez Ogo et les voitures qui étaient en train de le suivre derrière. On peut faire des enquêtes pour trouver des coupables. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal dans un pays où on est en train de parler d'un problème sérieux, où on est en train de nous envoyer dans les villages. On n'a rien à foutre avec les villages. On parle d'un être humain. We're talking about a human being. A professional that was assassinated. People are looking for justice and you're looking for diversion. What does Bamiléké, what does Iwondo, what does Ngi, all those things have to do with the life of this person? Le diable habite dans le corps de certaines personnes. Vraiment, les amis. À très bientôt sur cette plateforme. Bye for now.